Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, en cuisine, je vous propose une petite quiche aux asperges. Alors, c'est parti. Dans mon saladier, j'ai mis 4 œufs. Alors, je vais les battre. Alors, vous en prenez 4 petits ou 3 beaux gros. 3 beaux œufs. Voilà. Donc, on bat, on bat, on bat. Voilà. Le retour des tartes salées, des quiches, des cakes salés. Moi, en automne, en hiver, le plus souvent, il y a du potage. Et pour accompagner mon potage, le soir, j'ajoute toujours une petite part de quiches, de tartes ou de cakes. Ou de petites cocottes, ça dépend. Mais j'aime bien varier comme ça les saveurs. Donc, et c'est un peu plus rassasiant parce que juste un bol de soupe, il faut manger léger le soir, ok, mais pas trop léger non plus. Voilà, donc j'ai bien battu mes œufs. Je vais venir ajouter de la crème. Alors, je vais bien mettre toute ma crème. J'adore la crème, donc là, c'est de la bonne crème entière à 30% de matière grasse. C'est ce qui fait la qualité aussi de votre pâte, hein, de votre appareil. C'est d'avoir de la bonne, un bon taux de matière grasse, quoi. C'est le secret. Disons que c'est le secret, quoi. Voilà. Donc je viens remélanger. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. C'est plutôt rapide à préparer. Voilà. Alors, mon appareil est presque prêt. Je vais venir ajouter du sel. Alors, un peu de sel. Un peu de poivre. Alors, on va mettre un petit peu de poivre du moulin. Un peu de ciboulette. Donc j'ai fait quelques brins de ciboulette. J'ai fait des petits morceaux. Je peux venir mélanger. Voilà ce que ça peut donner. Maintenant, du fromage. Alors moi j'ai opté pour du comté et ce sont des gros copeaux parce que en magasin, lorsque j'ai fait mes courses, il n'y avait plus de comté râpé, mais il y avait du bloc, du comté en bloc. Donc j'avais acheté un bloc et je le râpe moi-même au fur et à mesure. Donc c'est plutôt intéressant d'ailleurs. Je pense d'ailleurs que le comté en bloc coûte moins cher que le comté râpé. Enfin, ça revient moins cher au kilo. Je vais revérifier, mais je pense que c'était grâce à une promotion. Donc, mais en tout cas, n'hésitez pas à comparer des moments. Vous avez vraiment plus d'intérêt à acheter des blocs de fromage que des fromages tout râpés déjà. Et là, je les râpais à la main. Voilà, donc c'est juste un petit peu d'huile de coude. Pas la peine d'utiliser un robot. Le robot, ça va utiliser de l'énergie de votre maison. Tandis que là, un petit peu d'huile de coude, c'est l'énergie de votre corps. Voilà donc pour mon appareil. Maintenant, je vais venir mettre mes petites asperges. Alors moi, j'ai coupé mes asperges. Voilà. Je vais récupérer la petite pointe. Voilà. Alors, c'est une recette qui est un peu plus printanière. Parce qu'au printemps, on l'a fait avec des asperges fraîches. Mais on a tous des asperges dans notre placard. Moi, comme je suis consommatrice d'asperges, à longueur d'année, j'en ai des blanches et des vertes dans mon placard. Et de temps en temps, eh bien, je prépare des petites recettes. Voilà, au printemps, on profite des fraîches. Et tout au long de l'année, on profite des petites asperges que l'on trouve en magasin dans le format bocal. Je viens donc mettre mon appareil de quiche sur un fond de tarte. Donc là, c'est un fond de tarte que j'ai piqué, fond de tarte brisé. Voilà.
Alors, on va tout bien mettre. Voilà, voilà. Moi, j'avais très envie de manger cette petite tarte parce que j'ai pas envie de rentrer tout de suite dans l'automne avec les champignons, les courges, etc. Parce que je trouve que c'est très très long. Parce qu'après, on va tourner aux courges, poireaux, carottes, champignons, voilà quoi. Même si j'ai mis de côté des légumes d'été, donc je pourrais en manger encore en hiver. Mais voilà, après. L'automne, l'hiver, c'est assez long et on tourne autour des mêmes ingrédients, des mêmes légumes. Bon, après on a les châtaignes et tout. Bon, on varie quand même les saveurs, mais là j'avais envie de ça. Voilà, voilà. Et pour faire joli, j'ai gardé quelques asperges entières et je vais donc les mettre sur ma tarte. Un petit peu par-ci, par-là. Je ne vais pas m'amuser à faire une fleur. Enfin, vous pouvez décorer comme vous le souhaitez, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, maintenant, ça passe au four. Donc, dans un four bien chaud, pour éviter que la pâte détrempe, c'est toujours dans un four bien chaud. Voilà. Donc, ma petite tarte, ça va passer au four. Je vais donc servir ça tout simplement avec mon potage et avec ma petite quiche. Je vais faire une petite salade verte avec une toute petite vinaigrette et j'ai encore un petit peu de ciboulette. Donc je vais mettre un petit peu de ciboulette sur ma salade verte et je vais me régaler. Voilà. J'espère donc que cette petite quiche vous aura plu, vous aura donné une idée. Et moi, je vous dis de prendre soin de vous et à la prochaine!